Allez, bonjour à tous, ben voilà. Ici j'ai nettoyé tout le carter. Je vous ai dit, voilà, tout est propre. Je viens de nettoyer les bandes, les anciennes, parce que bon, je les ai mesurées ici. Comme je disais bien, je disais une erreur, c'est du 110 mm. Je disais bien au début 110 mm. Je ne sais pas si on le verra, mais sur la jante ici que je viens de nettoyer, même pas, c'est marqué 111 mm. Diamètre maximum 111 mm. Ici, je viens de mesurer, j'ai 110,1 par shot. Ça veut dire que c'est bon. J'ai un peu d'usure, mais c'est bon. Parce que, bon, plus il y a use, plus le diamètre. Attendez, que je ne dise pas de bêtises. 111, ouais, j'ai 111,8 sur la jante. Ça veut dire qu'il y a 0,8 mm d'usure sur le diamètre. Bon, ça, c'est pas encore trop grave. Bon, faut dire aussi que la jante a 24 000 km. Ça veut dire que je freine plus sur l'arrière que sur l'avant. Ici, j'ai nettoyé toute la jante orange qui venait de mon autre Ludix. Ici, j'ai nettoyé la bande. Et ici, en nettoyant la bande, je me suis aperçu, regardez, je sais pas si on voit, c'est un peu plus clair sur les bords de chaque côté. Ici aussi, regardez, j'ai tout nettoyé. Regardez ce que ça a fait. C'est que le truc, ça veut dire que dans cette jante-là, je vais pas regarder, j'ai pas envie de regarder parce que bon. Je la prendrai, j'irai la porter chez un ami qui a un tour, il va me le rectifier. Ça veut dire que j'ai deux petits rebords de chaque côté. Ça veut dire que c'est usé à l'intérieur. Ça veut dire que l'ancien propriétaire avait des bandes plus étroites. Et ça, j'ai téléphoné à un ami ici il y a peut-être 5 minutes qui tient un garage. Et il m'a bien dit qu'il y avait deux sortes de bandes, des larges et des étroites. Pourquoi, quoi qu'est, je ne sais pas, mais ils ont fait à un certain moment des étroites. Pour tout ce qui est zip, zip, je me trompe, pour les Peugeot et tout ça, dans les générations Spitfight et tout ça,